Moko, nazo kende 36 ans d'âge. Na koli, na banda ko zala déplacer de guerre na yebi ko zala déplacer interne na externe. À partir de mes 6 ans. 6 ans, 7 ans, 8 ans d'âge. On a yebi ko kende Uganda, ko kende Tchankwale, ko kende Kimbimbiri Matanda, ko kima ko zonga. Nga na yebi yango. Alors, on a eu à voir nos frères mourir. Moi, il y a mon grand frère qui a raté de mourir na dysenterie. Mais au yebi na ba kan wana ba to bazala ki ko kufa ndenge. Ba système oyo momo na kaya ko loba ke ba to bazala ko violer bana. À partir ya ba 11 ans, 12 ans, 13 ans bana dans ba bébé na ba koko na bana na ba mama ya kokola. Biso to yebi makambo wana. Alors, groupe oyo ya bazalendo ezaba na mboka o bazo bunda. Oyebi ke na ndenge ya normal far dc eza na cesser les faits. Oyebi yango far dc eza na cesser les faits. Ça veut dire ne tant que far dc eza na cesser les faits, mais M23 azo respecté pe yayete obayeba saki yange akende sabino. Azo kende sabino te. Azo respecté pe ya kote na yete. Mais bazalendo bazaba na mboka oyo ozo kuta na kati na bango eza na moko oyo a perdre batu nyonso na famille atikala ye moko. Bonjour madame Beni Nenze. Bonjour cher journaliste. Puis souvent toi et juste vous savez analyse sur les effets au sein de Katamboka na biso na mboka madame Beni. Boye boli santé na nous ya nzoto na non. Santé bien na ngolo nzambe comme d'habitude. Dieu fait grâce. Naza vraiment kolongo non. Nzoto za bien. Tout est allé bien boni mbe penzo to ya République du Congo malgré tout un thermomètre était pas et ko tempéré. Température ya mboka na biso mais comment na yango boye mboka zo tambola ndenge. Na ndenge mboka na biso zo tambola température na biso na koloba eza na fièvre makasi. Soki na lobi eza na fièvre makasi eza pona koloba ke tant que la partie est de la République démocratique du Congo tozui nanu kimia te, ça veut dire que toza nanu na ba problème. Tant que na kati ya kwa mutu na kati na ville ya Kinshasa kukuleka kuna na Maluku batu batie déjà ba barrière batu baza na insécurité donc na kati na mboka na biso makambo ezo kende nanu bien te. Donc température mboka na biso malgré que tozo kende na ba élection tozo bongama donc toza na kati na show wana ya ba campagne batu nyonso bazo bongama po bakota campagne ba battre campagne mais il y a encore la fièvre na kati na mboka na biso. Madame Beni, juste parenthèse, quand vous parlez des élections, vous avez moqué la société civile. Est-ce que les élections dans notre pays, pour l'instant, est-ce que c'est une priorité ou ce n'est pas une priorité? Pour ce qui me concerne aujourd'hui, na kati na mboka na biso, pour moi, je dirais que les élections ne sont pas une priorité. Pourquoi? Parce que ce qui na kati na mozindo, en tant que peuple, na kati na mozindo, na zomo na makambu nanu ya guerre. Bitumba oyo esali ke population ya Masisi na Rutshuru baza hormi na makambu ya élection. Ça veut dire on va aller aux élections sans Rutshuru et Masisi. Mais c'est pas tout la première fois pour aller. C'est pas la première fois, mais ça c'est déjà une faiblesse. Et ça déjà est loko moko ya bien té parce que l'appareil électoral normalement na mboka oyo bayebi ke toza moko il faut to kende lisanga toko ki ko sala té atandenge le kana na ba na nani na beni na ané moko soki na si je me rappelle 2018. Na 2018 oto kenda sans beni ezalaki eloko moko ya bien té parce que peuple wana eza peuple oyo il faut y participer. Mais si quoi yo na peuple oyo lelo tozalaka na ba carte d'identité té. Mais population wana ya Rutshuru na Masisi ba kozala na ba carte d'électeur pété. Ça veut dire batikali na ba carte d'électeur oyo ya 2018. Biso to koti na ba carte d'électeur ya année 2023. Alors bango na biso au mona té que au fait eza une certaine manière ya ko fragiliser pouvoir. Et c'est une certaine manière à couper sa paix limite na pouvoir na éviter ce qui ba politique ba bon na ndenge wana ou bien biso pe peuple to mon na ndenge wana parce que il faut tout ça la analyse profonde par rapport il y a développement na mboka na biso tozo kende wapi
tokokende biso moko ou bien tokokende ndambu ndambu. Mais c'est pas volonté à politique, c'est à circonstance et écouti actuellement. Ce qui n'a pas la volonté à politique, c'est parce que je sais une chose. OK. Et que le président de la République est le garant de la nation. Il est le seul oyakoki comme mabiso na ba décision munene munene pour intérêt ya nini ya peuple. Donc yenda koki koloba na moni que intérêt ezate que toko ta ba élection année oyo. Na moni intérêt za biso nyoso to bunda pour que Congo mobimba ne toko ta élection toko ta ndambu ndambu te. Eza décision na ye. Alors tant que gouvernement bazuna nous nos décisions on a été. Non, mais les décisions ont été, mais c'est la constitution des qui la constitution, garantit. Est-ce que la constitution a dit qu'il faut aller aux élections par de au fait à deux niveaux. Ba mususu ba côté élection, ba mususu ba côté élection, tes constitution na place nini. O ba lobi ke na kati na mboka moko na place moko ba koki kokota ba élection, ba place mususu ba côté élection te. Ça veut dire qu'à un moment donné to koti na egoïsme ya kolanda kaka ba oyo ba agenda na biso tozomo na urgence te par rapport ya division ya menace ya balkanisation tozanango ya menace ya ba guerre ezo silaté. Parce que là je me pose la question, est-ce que Okwamut c'est toute la population qui est enrôlée et qui va aller aux élections? Ça veut dire à un moment donné, il ne faut pas penser que tout le monde que Congo est comme Kinshasa, Congo est comme Lubumbashi, est comme Katanga, est comme Kasai. Non, le Congo est grand et doit aller aux élections en toute entièreté. Yangwana na lobby photo ta la kalikamboana sentimentalement, mais en tant que des patriotes. En tant que patriotes, tu as le loboko. Ce qui loboko est le capaci. Et ça, la kaba crampe na maboko na misapignons. Ce qui l'isapi, oyezo ça la passe. Et que ça la passe na misapignons. Alors, ce qui moussapé au balobi, non, to ki pété. Alors, ce qui la lingina simba téléphone, na ko simba gondengeni, talanenge kokoye. Il faut yepe à intervenir pour que e simba bien. Yangwana na pese exemple yambo kanabiso. Donc, to komi déjà ko balancer, tant que to ko kende ba élection, son masisi et ruchuru, to zo balancer déjà. Donc, to ko boiter. Toko boité. Cela veut dire les élections sans Massissi, sans Rudjuru, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas une priorité pour ce qui me concerne. Alors qu'est-ce que vous proposez pour que tout clore de CIO? En fait, moi, la proposition était d'abord. En tant que membre de la société civile. En tant que membre de la société civile et en tant qu'enfant, il y a Nord Kivu, il y a territoire, il y a Rutshuru. Okay. Parce que j'ai une famille à Rutshuru, j'ai une famille à Massissi. C'est pour dire quoi? Moi, je deviens. Ici, à Kinshasa, je me suis fait enrôler. Mais quand je rentre chez moi, il y a mes grands-parents qui ne se sont pas enrôlés. Alors, quand je me présente là-bas, et eux, ils ont la carte de 2018 et moi, j'ai une carte de 2023. Alors, on est ensemble ou on n'est pas ensemble? Mais c'est la cause de l'insécurité qui a fait. C'est la cause de cette guerre-là et qui fait que ce peuple de ce côté-là se sent un peu délaissé. Pas même un peu, se sent trop délaissé parce qu'à chaque fois qu'on y a un coup de fil, est-ce que tu as vu que le président de la République a zo sala, a zo bunda, a zo sala nyoso pour que Kimia ezonga. Mais nandenga koloba que to kende ba élection sans biso. Ezo lobela biso nini oyebike ba villageois ba peuple autochtone ya Nord Kivu na kati na Masisi na Rutshuru balingaka mingi koyoka liloba oyo président de la République akoloba atabino ba député bokoya ataba tunini bakoya likambo oyo président de la République alobaka ezalaka na makasi mingi mais tangu ye moko ko prononcer akoloba ke tozo kende na élection sans Rutshuru et Masisi et frustré bango d'un coup balobi est-ce que mokonza te kimboka zo lobana biso te a lingi biso te, a teki biso, a lâché biso. Au fait, batubazo mi pose mille une question et ça li que population est comme frustrée na niveau moko ko sakanate. Merci beaucoup Rwana Mboka, madame Beni, il y a une parenthèse aussi au fonda qui concernant processus électoral en Mboka na biso. Tant on lobi que le chef de l'État n'est pas ba Mboka moi qui mena kata motema. Récemment ba y notable ya ba Nord Kivu parti Est Mobimba voilà qui causé journée à on a Kinshasa pour nous ba kota table ronde concernant évaluation ya état de siège
Après, besoin de bango, après quelques mois, toujours le chef de l'État, c'est la sortie médiatique, il y a Kolobake, ainsi qu'on maintenait juste le bah, gouverneur militaire dans la tête de la province, na, sur le plan territorial, il y a un civil, ça là. Et que bino ba IPP, il y a Kuna, vous avez équipé à la table ronde, vous avez une ligne qui est en train de se faire, madame Béni, vous avez un membre de la société civile. Vous avez un Kambouana et Zalaki. Les Kamomoko Oyo et Pesaki Nakati na province de Nord Kivu. Et tchaki moi, au moni, tant que tu as une table ronde, tu as vraiment c'est la chance de s'exprimer, yakoya pour que tu na mutu to bima déjà na solution ya koloba ndenge to yebi ke état de siège na 2 ans oyo et pesi résultat ya malonga te. Et puis ce résultat à Malonga, pourquoi? Parce que le peuple a yebaki que tant que babimisi gouverneur civil, bâti gouverneur militaire, et que ça une manière y a côté à moi poids pour que ma kambou y a ba meurtre, y a insécurité et ça la nini et si là. Mais tant que tout moni que présence militaire et petit et sali loco là bah M23 bah mouvement rebelle bah bâti ango kara. Lokola ezo ningisata bangote. Alors peuple a mona kité, au contraire, les problèmes commençaient d'aller de au fait yako beba situation sécuritaire et komaki ya mobulu makasi. Peuple nyonso tozalaki na possibilité, tozalaki biso nyonso na position moka koloba lever ya état de siège au moins kutu tozonga na système ya kala. Batu nyonso tozalaki na système wana, je me rappelle na salaki pe ba déclaration koloba non biso tozana besoin ya lever ya état de siège parce que to monite. Mais tango batu bayaki na table ronde wana ezalaki nini nos élus, nos députés avaient déjà travaillé nakati na assemblée sur état de siège par rapport au lever, par rapport au maintien et par rapport à la requalification. Et c'était maintenant en témoin, il y a batou, il y a société civile, il y a sage, il y a notable nyonso to ya kota la travail oyo ba élu na biso ba salaki par rapport il y a ba trois thématiques wana, requalification, lever ou bien le maintien. Et batu nyonso na ndenge ezalaki na moto. Batu nyonso ba yebaki ke non. Biso tokoloba te makambo ya requalification, tokoloba te makambo ya maintien, tozoloba kaka makambo ya dini, ya lever. Ndenge bomonaki ke grande majorité na salle ezalaki pourquoi? Pour la lever totale ya nini? Ya état de siège. Mais wana ezalaki kaka constat ya batu. Oui, que la grande majorité c'était pour la lever. La grande majorité on a pourki koloba. Selon vous? Selon moi parce que nazalaki na kati na salle au to monaki ezalaki batu basalaki ba déclaration. Solo ya ba media ba gouverneur media ya ba gouverneur civil. Ezalaki ya ba gouverneur civil batu bele. Olobi? Vous avez mon solo. Vous avez mbongo. Non. Au moins, ma camboana y a qu'au circuler à koloba batu bazwa kimbongo. Ni angwe likaki. Ekoti sa batu. Vous avez kimbongo na nini ah na table ronde ah pour bouboule. Non, levez ta siège. Est-ce qu'on y est bien nakati kuna? Toyaki koka moi que natangu ministre premier ministre azo clôturer journée et que batu ya maintien bazala ki ebele makasi kolekata batu ya levé. Parce que nakati na salle après travail pour la clôture, le président de la République était empêché de venir donner sa pronostic. Le premier ministre est venu le représenter valablement et le premier ministre ne pouvait pas dire quoi que ce soit parce que la décision ne revenait qu'au président de la République. Exactement. Et maintenant dans la salle, tout le monde, la grande majorité, maintenant on a constaté directement que beaucoup étaient pour le maintien. Pendant qu'on savait qu'on travaillait et tout le monde était par rapport au lever de cet état de siège. Et moi, je suis en train de dire que la population est à Nord Kivu, na Ituri, parce que les gens qui sont concernés étaient Nord Kivu seulement, les gens qui sont concernés Ituri, qui, les gens qui ont été exprimés selon les vécus. On s'exprimait selon ce que nous vivions. On s'exprimait selon l'atmosphère de la province où batu bazo vivre na kati. Mais oyo to monaki après ezalaki nini, le président de la République a décidé de maintenir
l'état de siège. Parce que tozonga ki na système que le colabiso na Nord Kivu, à part oyo likambo et qui kokote la biso ya ya mort ya ya ba adepte ya wazalendo oyo ba utaki kokufa na le 30 août o esalaki carnage moko ya makasi et sengelaki le gouverneur Ndima Abima batie gouverneur Mususu ya ya militaire Lususu oya ye ko remplacer ye. Ça veut dire on n'a pas changé, on a juste changé la personne, mais l'idéologie de l'état de siège reste encore dans la province. Apparemment, vous n'avez pas bien accueilli la décision du président de la République vis-à-vis à mécanisme à changer. Omoni mwana mboka, nous faisons confiance au chef de l'État. On a lobaka, aza papa yandaku. Tant que papa a eu décision. Il y a les cambotels. Ayebi ke bana balobi boye bana balobi boye ba moni boye mobulyo bazo vivre ba moni boye. Mais papa azola kana analyse objective. Pona bana na ye. To moni ke président de la République ayokaki maloba ya bana. Ayokaki le souhait ya peuple. Mais alobi te tant que papa responsable. Pona likambu oyo na moni kaka nazongisa nanu. Likambo oyo oyebi après dialogue après table ronde otoutaka na Kinshasa tangu bato bazongi ezalaki mobulu makasi na kati na province parce que bato bakomaki divisé na kati na province akoloba batel balingaki lever batel balingaki maintien donc ezalokola bato balingaki ba se séparer ba se diviser likambo koye baté président de la république ya zui décision nini. Omoni, na makambu wana, je pense que le président de la République a pris une décision responsable pour l'intérêt du peuple. Nde yango alobi tete par rapport à ndenge nazomona makambu zo kendele. Na sala nini na zo décision boy. Et en tant que président de la République, et en tant que nous le peuple, on s'est dit OK, donc il a bien vu et nous voulons maintenant voir un changement radical de choses par rapport à la décision du président de la République. Et je pense que vous avez vu le nouveau gouverneur qui est aujourd'hui en train de faire des descentes sur terrain pour en train de voir ce qui se passe. Oezo le kana na katina masisi, oezo le kana o na sepeli nango eza ya kolobake na féliciter na nos gouverneurs de la République de la province du Nord Kivu. Oyazo kende kota la évolution na ndenge EAC na côté ya Masisi avec le l'équipe ya EAC ya Burundi o bazo sala musala na bango bien o bazo permettre à ce que gouverneur a kota parce que na côté mususu o ya Baruchuru gouverneur azo kota kuna te. Pourquoi? Parce que tozo yeba te mouvement ya EAC ya ba o baza ba Kenya na ba Uganda o baza na côté kuna bazo collaborer mingi na M23 ke collaborer na gouvernement na biso. C'est vrai? Oui. 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 Alors on se pose la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Yango wana omona ki déclaration oyo ya ba ya nani ya Sevar, hein? Ya ba ya collectif de victimes de quoi de l'agression rwandaise, omona ki lettre oyo ya il y a ba jeune il y a comment on appelle territorial il y a Rutshuru au ba pesa ki 48 heures na EAC du côté oyo il y a nani ya Rutshuru parce que ba monique effectivement bango bazo respecter té accord il y a présence na bango na kati na mboka na biso dans le territoire de Rutshuru yango wana mona mboka ngai personnellement en tant que société civile. En tant que moi na yamboka na respecté oyo décision à chef de l'État mais biso moko tozana besoin to mona parce que so kité to koganga lisusu to kobelela parce que awa tozana système ya kobelela ndoki pe to kobeta pe ndoki na ndenge pe wazalendo bazo sala bazo beta ndoki malgré ba makamunyo so ezoleka. Merci beaucoup, madame Bénine. On fait une piste ya ba yi wazalendo ba yi mboka bazo ba je pense que vous avez moyi wazalendo. Mon frère, Wazalendo est un groupe patriote. Ils ont un groupe de rebelles, vous avez créé un groupe de milices. Ils ont un groupe de rebelles. Un autre groupe de milices, M23. Ils ont un groupe de rebelles. Mon frère, Oyebi, tu as deux décennies.
plus de deux décennies, Oyo, province à Nord Kivu, tout ça la canaba guerre na ba guerre. Ngai moko, nazo kende 36 ans d'âge, na koli, na banda ko zala déplacer de guerre na yebi ko zala déplacer interne na externe. À partir de mes 6 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans d'âge. On a yebi ko kende Uganda, ko kende Tchankwale, ko kende Kimbimbiri Matanda, ko kima ko zonga. Ngana yebi yango. Alors, on a y avoir nos frères mourir. Moi, il y a mon grand frère qui a raté de mourir na dysenterie. Mais oyebi na ba kan wana bato bazalaki ko kufa ndenge nini. Ba système oyo bomona kaya ko lobake bato bazako violer bana. À partir il y a ba 11 ans, 12 ans, 13 ans bana dans ba bébé na ba koko na bana na ba mama ya kokola. Biso to yebi makambu wana. Alors, groupe oyo ya bazalendo ezaba na mboka o bazo bunda. Oyebi ke na ndenge ya normal far d'essai ezana cesser les faits. Oyebi yango? Oui. Far d'essai ezana cesser les faits. Ça veut dire ne tant que far d'essai ezana cesser les faits, mais M23 azo respecter pe ya yete o bayeba saki yange akende sabinyo. Azo kende sabinyo te. Azo respecter pe ya kote na yete. Mais bazalendo bazaba na mboka oyo ozo kuta na kati na bango eza na moko oyo a perdre batu nyonso na famille atikala ye moko na ba deux décennies oyo atikali ye moko okomona mususu azakaka na famille baboma papa bamoma mama na famille bamoma yaya atikala batikala yende yaya zo bokola baleki. Alors ba jeune garçon wana o bazo bunda ya basito ya mibalo bazo bunda sur terrain bazali batu oyo balobi te biso ba cesse le fait na bino wana itali biso te biso to ko bunda na batoyo parce que bazo linga ko cracher sur le pays bazo linga ko tia honte soni na kati na mboka na biso yango wana moni bango wana ba telemi balobi to ko yoka ordre ya mutu moko te oyebi ke l'armée c'est l'ordre mais bango moko ba se former na ndenge na bango balobi biso to ko bunda to ko yoka ordre ya ya ministre de la défense té parce que to dépendre na yété to ko yoka ordre gouverneur militaire té parce que to dépendre na yété eza population eza lokola ngamo ko na koki ko téléma même na mboka béni si parce que ça crée la désordre ça ne crée pas de désordre parce que à un certain moment tangou makambu ezoza la respecter té il faut que le peuple se prenne en charge il faut que le peuple se prenne en charge parce que tozo monaké ba ennemi bango bazo respecter l'autre côté tango ba ennemi bazo respecter l'autre côté to sali makele le to gangi to lobi M23 zo respecter te M23 zo avancer to zo mona communauté internationale ezo réagir te ezo réagir te mais tango wazalendo ba bandi ko beta onga na zo lobala lingala ba bandi ko bubula bango bien na ndenge sengeli toyoki communauté internationale batunyo so babandi ko ganga komi makamba basese le fe ba makambwanine mais ce qui est bien est que il faut que le peuple se prenne en charge aujourd'hui il faut que le peuple se prenne en charge et j'applaudis cette initiative du président de la République parce que Nations Unies balobi na président de la République avec le Rwanda il faut négociation mais ce que j'aime encore et que j'encourage le président de la République et qu'il a déjà dit non à la négociation. Mais madame Bénine, quand on parle que bayi bazalendo va se prendre en charge, mais comme kubo bayi mboka mosusu une communauté toute est-ce que je suis comme on a mboka africain pour gaga mais ce côté de kambona mais na kongo kuna bato ma communauté mongo kuna de touti. Qu'est-ce que cela veut dire par là? Est-ce qu'on yebi que le kambona nga la linga kango kotia kabiso basala kabiso lokola bazoba? Communauté touti oyo eza na kati na mboka na biso. Eza communauté oyo eza de touti congolais. Eza likambo oyo na sina lobela une fois. Soki likambo eza kolekela bana ba communauté touti congolais, ce n'est que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui doit s'en charger. Tous congolais existent. Les touti congolais existent. Ils sont dans le Masisi. Ils existent. Parce que je sais que na katina intercommunautaire tozala kanaba peuple autochtone obalobi batuti
ya Nord Kivu bazali oyo bayaka bazali depuis longtemps bayaka bazali oui bazali bayaka Congo na biso eza mboka oyo eza na peuple plus de 450 tribus oyo tokiki koloba te ke oyo a mérité te oyo a mérité te tant que toyebi ke baza tout les Congolais, ça veut dire que c'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui a décidé de décider na sort na bango. Alors tant que président de la République a lobaté que ba oyo ba bomamaki. Ndenge nini Kagame a s'occupé. Na tangu ba bomaki ba unde na ba utu. Na kati na territoire ya Rutshuru, précisément na massacre oyo utaki koleka na Kishishe. Ndenge nini Rwanda ganga kite. Ndenge nini Rwanda ganga kite parce que baza ba utu. Est-ce que na Rwanda ba utu bazate ba utu bazali mais ndenge nini soki ba bomi ba utu na kati na Nord Kivu ya ganga kate mais nani azo protéger bango muto azo protéger peuple congolais ana eza Félix Antoine Tshisekedi donc ya ko ganga na communauté internationale te ko loba ke non il est le président du Rwanda il n'a qu'à parler de ce qui est de son pays. Et le président de la République démocratique du Congo, qui est Félix Antoine Tshisekedi, il a parlé par rapport à son peuple. Et aujourd'hui, lui, en tant que garant de la nation, il est en train de respecter l'embargo, parce que, il est en train de respecter le cessez-le-feu, parce que FARDC a zo bundate. Mais bana mboka ba autochtone ba lobby, bisoto ko bunda, parce que ba oyo, ba M23, ba zo respecté te. Ba accord na bango. Pour mettre fin na mukula lelo, quand vous dites que les 1-23, pardon, dirais-je, les Ouazalés ne sont pas au Bunda, quelle est la munition à Pi? Bah M23, Oyebi. Qu'est-ce que vous avez besoin de Yangoana? Ok, na Bazalendo. Quelle est la munition? On s'est rappelé jour moko Bazalendo Bazalaki au Bunda, Bazalaki na, si je ne me trompe pas, c'était, je pense après table ronde, Bazalaki na période moko ba monaki mouvement suspect ya EAC ezalaki kolekisa ba mituka wana baye ko découvrir eza ba armement oyo bazalendo ba s'imprégna ki na ba arme wana ba M ba bazalendo ba yibaki kutu ba teni parce que soko komona ba M ba bazalendo bazola ta ba teni oya kala ya FARDC. Et ça et puis le président de la République a salaki nayenin pour que boyeba bo lobate ke FARDC ezo déraillé et boyi kolanda ko se soumettre par rapport ya ordre ba pesi bango le président de la République avec le ministre de la Défense ba changea ki ba tenu c'est un jeu joué par le gouvernement congolais non parce que le gouvernement congolais est responsable. Yango wana basala kinini pour que boye ba traçabilité na biso. Bon mona teni oyo eza telle place. Teni oyo eza telle place. Omona kata likambo ya ba adepte wazalendo tangu ba bomaki bango. Batu balobaki eza batu ya garde républicaine pourquoi? Parce que identification na bango ezalaki na tenu. Na ba réseaux sociaux na ba vidéo elandamaki to detetaki bango pona nini? Pona likambo ya nini? Ya tenu. Alors, les Kambo ya Bazalendo ont détecté bango ezanini. Eza tenu. Far de 16 ans a tenu na ye, Bazalendo a tenu na ye. Alors, eza les Kambo te ya ko latisa ke gouvernement basali les Kambo ya ko loba ke bazo leka na sima. Gouvernement na biso ekoki ko se rabaisser na niveau wana te. Parce que gouvernement na biso aza responsable par rapport ya peuple munene. Où il y a yebi qu'il faut qu'on protéger. Ndeyango le président de la République aujourd'hui, si il n'a pas encore ordonné à ce que batia ba drone na kati na Rutshuru to na Masisi, c'est parce que yebi que population na ye, malgré ezo souffrir, il faut que basala nini babika. Merci beaucoup madame Ben, nous sommes presque à la fin. Mesha soukani ko lancé ba batalo partout na monate et minute kaka suna swahili, suna lingala, suna français. Kaka yo. Na koloba susu na lingala pe na swahili parce que eza langue d'abisso. Nazo yebisa batu nyonso de partout où nous sommes. Tozala na bomoko. Tozala na bomoko, nalobi nanu na encourager
bazalendo pote konyimuko na pigana tuko nyuma yenu tunajua tabu ye munapita ndani na njoo inaacha muko naenda munapigana munajiambia ke hii udongo ni ya mababu ni udongo mababu walituachia na nyie munapigana juu udongo wetu usiende na adui usikamatiwe na adui na sie kama vile watoto wa muji watoto wa Kongo na sie tuko nyuma yenu tunawapatia nguvu mukazane na Mungu ataendelea kushindana pamoja nani na sie tuko nyuma yenu na mimi naendelea kusema par rapport ya peuple nyoso bana mboka esika nyoso bozali bozala ya diaspora bozala bozana kati na mboka na biso to soutenir peuple wazalendo to soutenir mokonzi na biso na sima ya politique nyoso ezo salema na mboka na biso pour que to zwa kimia ngai en tant que citoyenne ngana koyoka makambo communauté internationale te tangu Israël bazo bunda kuna boyebi makambo bazo bundela bolobi cesser le fete mais tangu ekomi makambo na biso boyebi ke bato bazo kufa lokola mataba soki na moni makambo ezo leka na kati na bakonde de déplacer na kati na Kanyaruchinya na kati na bakan ya Mugunga oyo bato ba mama bazo lala libanda na se ya mbula oyo ba mama bazo tanda kaka ba maputa me bana bazo zwa ba grippe ba makambo ebele bele ba rougeole ezo zwa ba makambo ebele bele be soki na lobby yango na zo yo kamutema pasi mais bino bozolo balika makolo ba cesser le fête na kati na makambo ya o etali ya M23 tangu M23 azokata tangu bazo déplacer ba borne na kati na na ba côté ya Rutshuru na kati na Busanza communauté internationale ezolo ba ilo côté siko lelo ba na mboka ba telemi pour que ba bundela mboka et comme makambo ya cesser le fête comme makambo ya négociation likambo wana toboyi ba na mboka. Le peuple se décide et le peuple se libère. Et c'est le moment que le peuple puisse se libérer. Nous avons tout le pouvoir entre nos mains. Et dans notre unité, toko se libérer. Congo ezaya biso et kotika la moko indivisible. Merci. Vive la paix.